Votre attention, s'il vous plaît, en raison d'un mouvement social, l'ABC numéro 302 à destination de France 5 est annoncé avec un retard de 10 secondes. Merci de votre compréhension. Seulement. On a le droit de se plaindre ou pas? Du retard. Bonsoir à la une de ce 31 janvier, car oui, nous sommes toujours en janvier. Cinéma, alors je n'ai strictement rien contre ce film, mais ça va trop loin la promo pour le Astérix de Guillaume Canet. Il est partout, même sur les chaînes info. On commence pas sa vie à 70 ans. J'ai le bonheur d'aider mon petit-fils, d'aider mon fils, tout le monde. Eh oui, c'était jour de grève aujourd'hui, le 19 janvier, pendant l'acte 1, Emmanuel Macron était à Barcelone et à la veille de l'acte 2, il était à Paris. Non, je déconne. Mais c'était pas volontaire, c'était dû au hasard. Je me barre. Je disais, je me barre. Ah, Espagne. Ah non, pas encore. Ouais, ben, c'est le jeu, ma pauvre Brigitte. Attends. Triché. Pays-Bas. C'est mon copain. Ciao, à qui le tour? Mais oui, mais c'est vrai, le président hier était aux Pays-Bas et c'est vrai qu'Emmanuel Macron et Mark Rutte s'entendent très bien. Voilà, vraiment, les deux, c'est friends. Et depuis longtemps. Ah ouais. Ah oui. Et t'es content d'être là-bas. I'll be there for you. Pendant que c'est la grève en France. Alors, que retenir de cette visite d'État? Eh bien écoutez, cette information de premier plan qui est passée sous silence car phagocytée par les grèves en France. Nous allons vraiment bien manger ce soir. Nous allons manger indonésien ce soir. Merci. Nous sommes ravis de l'apprendre pour vous. Et retour au cortège parisien qui nous ont permis d'assister à une image aussi rare que belle. Une partie de la gauche. La gauche, messieurs, unie. Écoutez Anne Hidalgo. Je suis assez présente, oui. Merci. Ça va, les copains? Les copains, ça va, les copains? Oh, alors, pour des copains... sont pas super proches. C'est Yannick Jadot qui a cassé l'effet tout seul. Madame Hidalgo. Madame Hidalgo. Oui, pardon, bonjour. Bonjour. D'abord, j'embrasse. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Quand on souhaite bonne année à un ami un 31 janvier, ça fait quand même un bon mois qu'on ne s'est pas vu et qu'on ne s'est pas parlé. Les copains à d'autres. Une grève évidemment couverte en direct par les chaînes info, dont CNews, qui n'a vraiment pas eu de chance. Ils ont croisé quelques relous. Ken dit retourner en circonscription et la pression va être forte. Et ceux qui n'ont pas la force politique. Mais vous venez de le voir et heureusement pour eux, aujourd'hui c'était Claude Lelouch qui assurait la réalité du Plex. Oui, bonjour Chana, je suis toujours à la porte d'Orléans dans le 14e. Et une belle vue parisienne, des duplex informatifs évidemment. Le début en tout cas d'une longue journée de mobilisation, je voudrais vous montrer quand même les chaussures de Rémi qui a pris des baskets. Ah oui, c'était l'info effectivement. Et BFM qui avait envoyé sur le terrain un journaliste qui est aussi sportif que Mathieu Béliard et moi-même réunis. À côté de la rotonde, il y a une cinquantaine d'individus qui se sont déplacés très rapidement. Et il y a encore des jets de projectiles qui continuent sur les forces de l'ordre qui se sont déployés très rapidement. Première fois que je sors du studio, là, je... Même ma montre connectée ne comprend pas ce qui passe. J'ai fait cinq pas. Une grève qui a également impacté les écoles, mais tout était prêt au cas où. Regardez, tout est prêt pour les accueillir. Il y a le Time's Up, le Double, le Lynx, le Puissance 4. On va jouer au Maligali, au Kies et au Double qui est de l'autre côté. Voilà, c'était pas une école, c'est une succursale de la Grande Récré. Pensez pour cette petite fille qui était seule. Ils étaient deux dans l'école ce matin. Sympa pour jouer au Cluedo. Heureusement pour elle, étaient également prévus des ateliers art plastique. Mais la journaliste d'LCI est un petit peu trop premier degré. Une œuvre d'art. D'accord. Et avec quoi, par exemple? Avec des paillettes. Je vais mettre des paillettes dans ta vie, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Moi, c'est Marion.
Et je suis premier degré. Mais sinon, pour occuper les jeunes, il existe une autre solution. Moi, c'est ouais, c'est Marion. Je ne m'appelle pas Kevin. Autre solution pour occuper les jeunes un jour de grève, les envoyer à l'Assemblée, vu sur LCP en arrière-plan des stagiaires qui étaient vraiment au taquet pour leur stage d'observation. Non, vraiment, on dirait qu'ils étaient attentifs. Ah oui, Yael Braun-Pivet, je le note. Mais il fait très mal semblant d'écrire. Parce que vraiment, si son rapport message est écrit comme ça, ça ressemblera à ça, vraiment. Et ça vaut, c'est une ligne. C'est exactement ce qu'il a fait, ni plus ni moins qu'une ligne. LCP qui a une nouvelle fois tenté de se la jouer comme BFM, mais à l'inverse, ils ont créé l'inverse d'une priorité au direct, mettre beaucoup d'enjeux sur quelque chose qui n'aura pas lieu. De l'Alliance Atlantique. Elsa Mondingava, vous êtes salle des quatre colonnes, on ne va pas vous retrouver parce que ça y est, la séance vient de reprendre. C'est une non-priorité au non-direct. Et qui dit jour de grève dit micro-trottoir, événement et ce scoop people, on le pensait décédé depuis 2016 et boxeur, mais non. Je voulais vous montrer cette image ce matin de Mohamed Ali qui est maraîcher. Voilà, info au LCI, Mohamed Ali est vivant et il vend des salades. Les mouvements sociaux qui ne sont pas réservés aux professionnels, cette vocation peut survenir à tout âge, même le plus jeune. Parmi les manifestants aujourd'hui, il y a des petits nouveaux. On est avec Yvan, 72 ans. Ah oui, pas la même notion de petits nouveaux. Et puis BFM est tombé sur un témoin imitateur qui, au cours de la même interview, a imité deux comiques. C'est ce notaire niçois. Attention, on commence avec Élise Moon. C'est une bonne nouvelle pour les finances publiques. Ben, c'est grosso modo, je déshabille Paul pour habiller Jean. Voilà. Merci Madame Borde. C'était pas tel, c'était pour dire rien du tout. Allez, maintenant on passe à Jean-Marie Bigard. Quelle société on veut? Et prendre en compte que, de manière incroyable, mais à 30 ans, à 40, à 50, à 60, on n'a pas la même énergie. Voilà pour faire un tennis, connard. Je vais bosser toute la journée. Il est parfait, il est parfait. Pas mal. Alors, m'en parle pas. Et pendant l'émission, pendant que vous étiez en train de faire vos petites... l'émission, hein. Mon petit quoi. Elisabeth Borne a reconnu, je la cite, que la réforme suscite des doutes et des interrogations. Effectivement, c'est pas clair. Par la suite, il y a eu une première réforme qui nous a expliqué qu'on allait passer de 57 à 57 ans. Donc moi, mes années de cotisation, elles sont largement faites. Sauf qu'en repoussant l'âge, forcément, je passais immédiatement à 57 ans. C'est vrai que c'est un petit peu fouillis, cette réforme. Une grève qui n'a pas été vécue de la même façon partout en France. Si en ville, les gens ont galéré sans métro, sans bus ou tramway, à la montagne, certains étaient privés de remontées mécaniques, mais ils se sont adaptés comme ils ont pu. On va faire avec, oui, on va se reposer. On fera 20 shows à la place. Eh ben voilà, la montagne, ça vous gagne. L'info continue demain, bonne soirée. Bravo!